Ciao tout le monde, allez, comme promis, la suite, on se fait la reine d'Irizia. Les Pokémon et moi sommes liés par une grande amitié. Notre liaison ne mourra jamais. Oh, que c'est beau. Je vais pleurer. Karateka, Hiro. On voit Kikli. Oh putain, il a de la gueule Kikli. Ah, j'ai quand même bien fait hein, de faire du level up un petit peu, parce que là, visiblement... Oh putain! Oh putain, la chance que j'ai là! Ok, ouais, j'aurais dû peut-être level up le classe. Ouais, c'était suicidaire là, franchement, d'envoyer le classe en premier. Hiro Karateka a perdu. C'est pas vrai! Eh si! Voilà, enchaînement direct, hein, tac. Nous autres, les vaillants artistes martiaux, n'avons peur de rien, enfin, je crois. T'es même pas sûr? Pfff, ta pète. Là-haut, Karateka va se battre. Bon, bah, Tignon, logiquement. Oh putain. Là, on dirait. Là, je suis désolé, on dirait un travesti, Tignon. Le rose, là, désolé, mais là, c'est juste dégueulasse. Bon, bah, on va envoyer Ferrisson. Qui est à un niveau d'évoluer. Eh oui. Oh non, putain, pas pour Comet. Merci. Roue de feu. J'ai toujours kiffé cette attaque. Bon, c'est bon, vas-y. Oh, j'ai pas commencé à faire des allers-retours au centre Pokémon quand même. Là, le Karateka a perdu. C'est choquant. Ah oui, c'est choquant de voir que tu es un Pokémon travesti. Bon, bah, on va changer Ferrisson en premier. Hein. Hop. Oh, faut que j'apprenne force. Je ne pars pas la bouche pleine, sinon ça fait... Alors, je me sers des points. Ok. Tant mieux pour toi, hein. Match up et match upper, je parie. Non, non, j'ai pas fait le jeu en off pour voir, je vous le promets. Mais c'est que c'est tellement évident, il y a peu de Pokémon de combat. Et Aldo à la dernière évolution de Débugant. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle déjà la dernière évolution de Débugant? Cartagnon, Kikli et... Oh putain, j'ai oublié le troisième. Non, putain, c'est pas possible. Capoeira. Ouais, Capoeira. Bon. Ouah, putain. Pouh. Ouah, comment il m'a niqué, là. Ah, il est violent, quand même. Ouais, alors là, avant l'arène d'Irizia, je vais lui monter niveau 40, mes Pokémon, parce que là... Chaud sinon. Bon, bah faut que j'apprenne force. Hein. À qui je vais l'apprendre? Ah bah Avalanche. Alors, bon, je sais pas si vous entendez le bruit chez moi, c'est parce que j'ai de la famille. Ouh, vous allez me dire, ouh, il dit qu'au lieu d'être avec la famille. Bah oui, parce que moi les discussions familiales, ça me fait un peu chier. Donc, je vais te supprimer les charges et je vais mettre force. Et là, attention, on a l'énigme la plus dure des jeux de Pokémon. Ouh là là. Je vais être bloqué, non. Ouh là là que c'est dur. Ouh là là. C'était dur, hein. J'ai failli ne pas y arriver. Mes points de ouf vont terrasser tes Pokémon. On va voir, vas-y, va. Mes points de ouf, t'as vu? Ah, ça serait un Karateka qui a échappé à Secret of Evermore, peut-être. Hein. Ping. Pong. Bon, désolé, il fallait que je le fasse. Hein. Féro-singe. Bon, bah, roue de feu encore. Hein. Bon. Moi, j'ai vu que la thèse de Mario Kart vous avait plu.
Même s'il y a certains, bah, c'est pas leur épisode préféré. Bon, désolé les gars. Pour moi, ça l'est. Mais en tout cas, j'ai vu que le test vous avait plu. Parce qu'il a déjà. Parce que beaucoup de gens ont commenté et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, bah, je ferai d'autres tests. Je sais pas encore sur quoi, mais j'en ferai. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il va level up? S'il envoie Colossinge et qu'il envoie de. Pardon. S'il envoie. Oui, bon, Colossinge. S'il me donne pas mal d'XP, Ferrisson pourrait level up. Suspense, suspense. C'est clair, si j'aurais commencé avec Ferrisson, la reine, il aurait développé. Frénésie. L'attaque préférée de Dark Chris, hein? Critique. Bon, route feu encore une fois. Et voilà. Non. Bon, je suis nul. Ah oui, tu es nul. Bon, parti. C'est parti pour Chuck Norris. Chuck Norris. Wouhaha! Tu es arrivé jusqu'ici, pas mal pour un Minus. Laisse-moi te dire que je suis une bête. Mes Pokémon explosent la roche et fracassent les eaux. Regarde ça. Alors, t'as peur ou faut crier plus fort? De quoi? Ça n'a rien à voir avec les Pokémon? Je sais. Allez, en position pour la bataille. Et voilà, cinquième champion, Chuck. Chuck Norris. Chuck, champion, va se battre. On voit Colossinge. Bon, Colossinge, je vais me le faire avec Florisson. Et l'autre, qui est Tartare. Je ne sais pas. Avec qui je le fais? Soit Roucoups, bah avec le prochain qui doit level up. Voilà. À part Loclas, bien sûr. Loclas, ça serait suicidaire. Oh, combo griffe, qu'est-ce que j'ai peur? À plus. Alors, il me semble que dans la première fois que j'avais joué à Pokémon Argent, si je dis pas de conneries, il me semble que j'avais testé de battre Tartare avec Florisson. Ah, je sais, vous allez me dire suicidaire. Mais je crois que j'avais réussi en plus. Bon, avec de la difficulté, mais j'avais réussi. Tartare, sauce Tartare. Donc, c'est qui le prochain? Boustiflore. Bon, bah, malheureusement, tu vas pas faire long feu, mon gars. En plus, c'est vrai. Tartare, c'était Tarte. On lui fait froncer les sourcils, ça, c'est une évolution. Choquant quand même. Ouais. Hypnose. Ça n'affecte pas Boustiflore. Fou, tu vas pas faire long feu face à Boustiflore, je te le dis. Au revoir, merci d'être passé. Ah voilà. Pouh, 1188 points. Pas mal. Hein, quoi? Mais j'ai pas gagné là. À propos, je peux te dire un truc. Je pense que tu mérites le bon vieux bas de choc. Et voilà, Ferrisson évolue. Ah là là, Typhlosion. J'adore Typhlosion. Ah, il a de la gueule quand même. Qui d'ailleurs ça le bas de choc. Ça nous fait 5 badges déjà. Avec le bas de choc, les Pokémon jusqu'au niveau 70 et même les échangés t'obéiront. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser vol lors des combats. Tiens, attrape ça. C'est Dynamo Point, je crois. C'est Dynamo Point, exact. Ça ne touche pas toujours, mais lorsque le coup est porté, il entraîne la confusion. Merci, mais bon, ces attaques-là, style Fatal Foudre et tout ce bordier. C'est bien, c'est puissant, mais j'aime pas. Tu as traversé la mer pour venir, blablabla. C'est le badge de la reine d'Irizia. Voilà pour toi, NCS. Et voilà, on a vol. Après, on va ton Pokémon. Tu pourras voler tout de suite et autorendre dans toutes les villes que tu as déjà visitées. Mon mari a perdu face. Ah, bah, c'était bien sa femme. Il doit donc encore s'entraîner. Ça tombe bien, il est un peu gros en ce moment. Oh, c'est salaud ça. Bon, vol. Je vais l'apprendre à Roucoups, bien évidemment. Putain, mais non! Putain, puis je me suis fail sans l'accélérateur quand même. Alors, hop, 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 fausse capacité, oui. Laquelle?
Bon, on va enlever charge. Allez, c'est bon, t'as pris vol. Et avant de retourner à Irisia, je vais retourner dans une des premières villes d'Ilgriat. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement pour choper un objet qui sera assez utile à Loclas. Les Pokémon que j'attrapais avaient un objet, je crois que c'est de l'eau mystique, je n'en ai pas besoin, la veux-tu? Non, mais c'est pas vrai, putain, mais... Pff, même là, il y a encore la poche complète. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, bah, allez, limonade la dernière, on va la foutre à Loclas. Voilà. Bla 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 bla, merci. Allez, hop, retour à la pêche. Donc, eau mystique, c'est quoi? Ça augmente la puissance des attaques élémentaires d'eau. Hop, 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 bon, on va la donner à Loclas. Donner Loclas. Voilà, maintenant. Hop, retour à Olyville. Bon, je vais soigner mes Pokémon, je fais une mini coupure, je vous retrouve au sommet du phare. A tout de suite. Donc voilà, je vous ai épargné la peine de la montée du phare. Et on va soigner le Pharan. Allez, c'est parti. Ce médicament va-t-il soigner Fari? Oui, c'est l'option secrète à Jasmine. Le prend pas mal, mais Fari n'acceptera que ce que je lui donne. Voilà. Fari, comment te sens-tu? Et là, Pharan va beaucoup mieux. Oh, je suis si soulagé. C'est fantastique. Merci beaucoup, mon ami. Je vais retourner à l'arène. Putain, mais non! Hey Mario! Yahoo! Kizai, bonsoir. C'est Mario! T'as une minute, tu vas te battre, ce ne sera pas la même chose que la dernière fois. Je serai vers route 33. Non, mais oublie, je vais pas retourner. Bon, bah. Phare en pétant soigné. Nous, on redescend le phare. Hein. Oh putain, faut tous redescendre. Voilà, merci l'accélérateur. Bon, écoutez. Waouh. Ok. La tour vraiment trop carrée, quoi. Ah putain. Bon, comme je disais. Je vais faire un peu de level up quand même, avant d'attaquer Jasmine. C'est pas que j'ai trop peur avec Typhlosion, ça devrait bien se passer, mais je vais quand même augmenter un peu mes Pokémon. Surtout faire du level up pour Loclas. Parce que c'est vraiment lui qui en a le plus besoin. D'autant plus que Jasmine, dans son arène, elle est toute seule, il n'y a pas de y a pas de dresseur. C'est la seule. On rentre, c'est les seuls champions. Voilà. Mais je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, je vais faire du level up. Pour Loclas qui en a bien 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 besoin. Alors bon bah je vous quitte là pour cette vidéo. Je vais entraîner l'équipe un petit peu. Je verrai si j'ai le temps d'en faire une troisième vidéo aujourd'hui. Je ne pense pas. Ma foi. Voilà. Merci d'avoir visionné ces deux épisodes. J'espère que ça vous plaira. J'espère que le son sera réglé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Pokémon Argent et de Secret of Evermore. Et Megaman également, qu'il faut que je continue. Parce qu'il traîne, il traîne, et je me connais, si ça traîne, ça va me saouler de faire. Donc il faut que je continue. En plus qu'on est bientôt à la fin aussi. Bref. Allez. Ciao, ciao tout le monde.